un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte au chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le secret de Rosa pour gagner les concours hippiques, c'est sa vitesse et son style. Un changement de style risque de lui faire perdre le concours le plus important de la saison. C'est toi qui me fais de l'ombre? Oh, laisse-moi tranquille! Ce n'est pas normal! Oh. On se fait du souci pour toi! Tu as dormi toute la journée! Il serait temps que tu te réveilles et que tu te remues un petit peu! Non, je veux dormir! Tu as décidé de passer le reste de ta journée à dormir, sans rien faire! Même si je ne fais rien, mon cerveau travaille! Je réfléchis, j'essaie de trouver une idée pour mon piège à souris! J'ai toujours cru que c'était toi le piège à souris! Lily, tu ne peux pas comprendre! Je suis un chat qui aime faire ce qu'il veut quand il en a envie! Comment les gens vont-ils réagir si tu ne fais plus ce que devrait faire un chat? Ça m'est bien égal. Alors on ne m'en voudra pas si je n'aime pas me rouler dans la boue comme la majorité des cochons? Tu es unique, tu ne ressembles pas à tout le monde. Et Scoop, avec sa manie de vouloir tout diriger et de se mêler des affaires des autres, il est unique aussi. Je ne veux pas tout diriger, ce n'est pas vrai. Allez, viens Lily, on va faire le tour de l'enclos en courant. J'ai envie de me dégourdir les pattes. Tu viens? On y va? Oui, c'est vrai. Carlotta a raison. Tu veux tout diriger. Se dégourdir les pattes, c'est amusant. Mais là, tout de suite, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est une sieste. Oh, après tout, elles ont raison. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne sieste. Oh. Excellent. Rosa est notre seule chance de gagner le concours cette semaine. Il n'y a pas de problème. Elle est la seule à pouvoir faire le parcours sans faute. À condition qu'elle ne soit pas trop imprudente et qu'elle ne rate pas trop d'obstacles. Pour l'instant, c'est le premier. Ça fait deux. Ne t'en fais pas, Panache. On franchira les autres sans problème. Plus vite! Sa principale qualité, c'est qu'elle ne se décourage pas. Et elle n'a peur de rien. Son père lui a appris à monter à cheval de cette façon depuis qu'elle est toute petite. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elle ne rate pas trop d'obstacles le jour du concours. Elle a fait un excellent temps. Félicitations, tu as fait un très bon temps. J'adore te regarder galoper. Ça doit être génial de monter à cheval de cette façon. Il n'y a rien de plus génial que de monter à cheval. Enfin, à part la lecture. Peut-être qu'un jour, on parlera de nos victoires à Horseland dans des livres. Pourquoi vous riez? On ne peut pas dire qu'elle a fait un parcours sans faute. Oui, je tiens quand même à vous rappeler que notre cavalière superstar vient de faire tomber 3 barres d'affilée. Céline Chenet ne raterait jamais autant d'obstacles. Si Céline était là, elle tremblerait comme une feuille, c'est moi qui vous le dis. Elle est là, mais tu ne l'as pas vue. C'est elle là-bas, la fille avec des lunettes. Elle observe Rosa depuis au moins 1 heure. Et je ne crois pas l'avoir vue trembler. Alors c'est elle, la célèbre Céline Chenet? Je viens d'observer leur meilleure cavalière. Cette fille fait n'importe quoi, elle ne sait même pas maîtriser son cheval. Elle n'a jamais eu de véritable entraînement, ça se voit tout de suite. Je ne suis pas entraînée, je ne maîtrise rien. Je vais te montrer moi si je ne maîtrise rien. Regarde-toi, est-ce que tu te maîtrises là? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Je suis une championne, toi tu n'en es pas une. Je ne fais pas n'importe quoi. Une championne doit toujours être très sûre d'elle. C'est mon père qui m'a appris à monter à cheval. Il connaît tout ce qu'il y a à savoir sur l'équitation. Comme c'est intéressant. Mon père était aux Jeux Olympiques dans les sports équestres. Mes entraîneurs sont les meilleurs, ils ont remporté au moins 5 championnats. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que fait ton père à part t'entraîner. Il est chef d'équipe, ici, à Horseland. Ça va, j'ai compris. Oublie ce qu'elle t'a dit, ne fais pas attention à elle. Mais elle a raison. Inutile de rêver. Ce n'est pas en montant de cette façon que je deviendrai une championne. Mon père n'a jamais participé aux Jeux Olympiques. On s'en moque. Ton père te connaît bien et en plus il t'a appris à devenir une des meilleures cavalières que je connaisse. Moi je ne m'en moque pas. Et il ne suffit pas d'avoir de la volonté pour gagner. Il est temps que je change ma façon de monter et que j'apprenne à mieux maîtriser mon cheval. Sinon le seul endroit où j'aurai la possibilité de gagner un concours hippique, ce sera ici contre vous tous. Ce n'est pas très gentil ce qu'elle vient de nous dire. C'est même méchant. C'est pas vrai, tu as décidé de lui faire des tresses? Oui, je veux que Pepper et moi, on ait la même coiffure. On sera mignonnes toutes les deux comme ça. Tu m'as volé mon idée, j'avais prévu de faire la même chose à Chili. Tant
pis pour toi, c'est trop tard. J'ai déjà commencé à lui faire une tresse. Il va falloir que tu trouves autre chose. Je te déteste, tu n'es qu'une copieuse. Moi aussi, je te déteste. Oui, mais moi, je te déteste encore plus. Comme tu ne fais pas partie de ma bande d'amis, ça m'est égal. Ta bande d'amis? Ne me fais pas rire, tu n'as pas d'amis. En fait, la seule personne qui peut te supporter, c'est moi. Tu es détestée par tout le monde. Quand on ne sera plus ensemble, ils m'aimeront. Si tu crois que tu vas réussir à trouver quelqu'un à qui parler, tu te fais des idées. Salut les filles. Salut Basile. Salut Sarah. Salut Zoé. Que vous arrive-t-il? Oh, ce n'est rien. C'est ma sœur qui m'énerve. C'est une crâneuse, une égoïste. Elle est vraiment insupportable quand elle s'y met. Ne faites pas attention à ce qu'elle raconte. Elle dit n'importe quoi. Je veux être votre amie. Oui, je sais, ça vous surprend. Vous n'auriez jamais cru qu'un jour vous auriez cette chance. Mais je vous aime beaucoup. Je crois que vous aurez encore plus de chance en me choisissant moi comme amie. Et j'aimerais beaucoup vous aider dans votre travail. Pas autant que moi. Très bien, si vous voulez. Vous pouvez aller vider ces seaux? Mais oui, où ça? Alors, où est-ce qu'il faut les vider? Là où on met le fumier. Vous vous souvenez? C'est l'endroit où l'on met le crottin de cheval. Ah, oh, mais oui, bien sûr, là où on met le fumier. Oui, c'est évident. Du crottin de cheval? Allez, c'est parti. Et cette fois, tu dois gagner encore 2 secondes de plus sur ton temps. Je ne plaisantais pas tout à l'heure. Céline avait raison. Si je veux devenir championne, il faut que j'apprenne à mieux maîtriser mon cheval. Pour gagner, il ne suffit pas d'aller vite. À partir de maintenant, je vais travailler chaque saut un par un. Je vais prendre mon temps, sans m'énerver et sans me presser. Pourquoi est-ce que tu attaches autant d'importance à ce que t'a dit Céline? Je ne comprends pas. Elle a toujours eu les moyens de s'entourer des meilleurs entraîneurs. Mais toi, tu as eu le meilleur entraîneur qui soit, puisque c'est ton père qui t'a guidée. Son père à elle a été champion olympique et c'est ce que j'espère bien devenir un jour, même si je dois changer ma façon de monter pour y arriver. Sinon, je vais passer ma vie à perdre les concours les plus importants. Alors maintenant, si tu veux bien m'excuser, je n'ai plus besoin de toi pour me chronométrer. Tu peux regarder si tu en as envie, mais c'est inutile de me donner des conseils. Tu es fière de toi parce que tu as réussi un saut? Puisque tu n'as plus besoin de mon aide et que tu ne veux plus de mes conseils, trouve-toi une autre amie. Je m'en vais, salut. Très bien, va-t'en. Hé, Marie, si tu as quelque chose à jeter dans le tas de fumier, je peux le faire. Non, je n'ai rien pour le moment. Est-ce que tu veux bien que je reste un peu avec toi, Zoé? Et moi, on est fâchés, on ne se parle plus. Et il faut à tout prix que je trouve une copine avant elle. Je t'aiderai à nettoyer, s'il te plaît, dis oui. Oui, d'accord, mais arrête de me supplier, ça me gêne. J'ai l'impression que la journée est mal partie. Il se passe des choses bizarres aujourd'hui. Oh, tant mieux. Règle de base pour l'équitation. Lily, il se passe des choses bizarres ici aujourd'hui. Ça va, Rosa? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que je lis, ça te pose un problème? Oh non, pas du tout, au contraire. Justement, je voulais te demander si je pouvais te tenir compagnie. Me tenir compagnie? Si tu veux, je peux t'aider à te préparer pour le concours. Pourquoi pas? C'est très gentil de me proposer de l'aide. C'est vrai? Non, pardon, c'est génial. On commence par quoi? Je viens de lire un passage sur les règles les plus importantes à suivre pour devenir une bonne cavalière. Et je crois que tu pourrais me donner de bons conseils, Zoé. C'est vrai, je connais toutes les règles. C'est bizarre, je n'avais encore jamais vu Chloé travailler. Mais ce qui est encore pire, c'est que j'ai vu Rosa et Marie se disputer. Et maintenant, Rosa est devenue amie avec Zoé. Non seulement Zoé et Chloé sont devenues très gentilles, mais elles sont aussi prêtes à effectuer toutes les corvées. Je me demande quand toute cette folie s'arrêtera. Je n'en ai aucune idée. Mais il y a de la rage dans l'air, ça va finir par exploser. J'espère être au premier rang pour voir ça. Ah, quelle matinée! Toutes ces histoires me donnent faim. C'est vrai que c'est une journée bizarre. Peut-être qu'elle nous réserve encore des surprises. Marie, regarde, voilà Rosa. Vous devriez vous réconcilier. Ensuite, quand tu reçois un prix, quel qu'il soit, tu ne dois surtout pas oublier de sourire et de remercier les gens ordinaires. Quoi? Les gens ordinaires? C'est Zoé qui a dit ça, pas Rosa. Rosa, on va déjeuner, tu viens avec nous? Non, je n'ai pas le temps. Zoé, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Des exercices pour que tu remportes le concours.
Ensuite, un massage des mains, 3 parcours de l'épreuve et pour finir, on regardera les vidéos du concours de l'année dernière. Allons-y! Décidément, on aura tout vu. On n'est pas au bout de nos surprises. Ça y est, je suis prête à me mettre au travail. Excuse-nous, mais on va aller déjeuner maintenant. Ça tombe bien, justement j'ai apporté mon repas. Tu tiens vraiment à venir déjeuner avec nous? Oui, bien sûr. Très bien, commence par te concentrer et respire. Et maintenant, imagine-toi sur la ligne de départ. Tu es vêtue d'un pantalon d'équitation très chic de couleur beige et d'un beau chemisier blanc très élégant. Ce n'est pas sur ma tenue d'équitation qu'il faut que je me concentre, mais sur le parcours et les sauts d'obstacles. Oh, c'est vrai? Alors disons tout simplement que tu es très élégante. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Ce n'est rien, ça va passer. Tous les grands athlètes imaginent leur victoire avant de la remporter. Moi, par exemple, je m'imagine toujours en train de faire les magasins avant d'aller au centre commercial. Et ça marche à tous les coups. Je trouve toujours ce que je veux. Et en plus, c'est comme si j'y allais deux fois. Bon, d'accord, on continue. Je n'en peux plus, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus vite. Très bien, tu es prête? Alors ferme les yeux. Tu es sur panache et vous filez tous les deux rapides comme l'éclair. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai prévu. Ce n'est pas ça? Non, je veux courir comme Céline, c'est-à-dire que je vais prendre mon temps pour bien maîtriser le parcours. Tu ne peux pas courir comme elle, tu n'as pas du tout son style. À ton avis, pour quelle raison est-ce que je fais toute cette préparation si ce n'est pour changer de style? Ah, je comprends. Je ne serai pas à la hauteur si je ne change rien. Bon, très bien, c'est ta décision. Pourquoi pas? Moi aussi j'ai changé. Regarde, la peau de ma main a durci. Mais non, tu vois bien que c'est une feuille. Oh oui, tu as raison. Je vais te faire une confidence. Je te trouve sympathique. Merci de me redonner confiance en moi. C'est normal. Peut-être que demain, après le concours, on pourra faire d'autres choses ensemble. Oui. Si je remporte le premier prix, on pourra aller faire les magasins, par exemple. Oui. Et si tu veux, je te montrerai comment faire de belles tresses à panache. Bonne idée. Je suis sûre qu'elle va adorer. Bon, allez, on reprend. Imagine-toi sur le parcours. Tu te diriges tout doucement vers le premier obstacle. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que demain c'est le grand jour et que nous devons tous être à la hauteur. Nous ne gagnerons qu'à une condition, que chacun d'entre vous donne le meilleur de lui-même. Je suis sûre que mon amie Rosa va remporter la plus belle victoire de toute l'histoire d'Orsland. Il n'y a pas qu'elle. Mon amie Marie et moi, nous sommes d'excellentes cavalières. En fait, nous sommes les meilleures. Nous formons une seule équipe, ne l'oubliez pas. Rosa, tu es notre meilleur espoir. Tu es capable de battre Céline. Elle a une excellente technique, mais elle veut tellement bien faire qu'elle est rarement dans les temps. Si tu es rapide et concentrée, tu la battras sans difficulté. Non, cette Rosa-là n'existe plus, c'est du passé. J'ai pris la décision de battre Céline sur son propre terrain. Je compte faire un parcours dans les règles et je vais tous vous surprendre. Tu plaisantes? Tu ne vas pas changer de style juste avant le concours? Je ne reviendrai pas sur ma décision. Bien sûr que non. C'est de la folie. Je n'ai jamais vu une cavalière aussi naturelle et douée que toi. Elle a changé. À partir de maintenant, ce sera une cavalière plus élégante. Oh non, quelle horreur, ça promet. Bon, assez perdu de temps. Mettons-nous vite au travail. Rosa, tu commences. Allons-y, panache. Et applique-toi surtout. Rosa, ça ne va pas. Si tu ne montes pas comme d'habitude, tu n'y arriveras pas. Je suis sûre qu'elle va y arriver. On fera un autre exercice de concentration juste avant le concours. Oui, bien sûr, c'est le miracle qui va tout résoudre. Excusez-moi, mais il va bien falloir que vous acceptiez ce changement. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, tant pis, ça m'est égal. Les gens changent quelquefois. Si Rosa a décidé d'être différente, il va falloir l'accepter comme elle est et la soutenir. C'est vrai, tu as raison. La nouvelle Rosa est 10 fois plus intéressante que l'ancienne. On a même décidé d'aller faire les magasins ensemble. Oh, je te vois mal faire les magasins avec elle. C'est vrai, c'est surprenant. Tu as raison, Chloé. Je n'en reviens pas quand je pense à toutes les choses stupides que nous avons faites. Comme donner à manger aux cochons, par exemple, ou vider des seaux de fumier, ou passer du temps avec elle.
En réalité, Rosa est la seule qui a une chance de s'en sortir depuis qu'elle a décidé de changer. Heureusement qu'elle nous a comme amis maintenant. La pauvre, ce sera affreux si elle devait rester coincée ici avec vous toute sa vie. Allez, viens, Chloé, on n'a plus rien à faire ici. Mais alors, Rosa est leur amie maintenant? Panache, je compte sur toi pour gagner demain. Mais je ne comprends pas si ce que je fais est bien. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Waouh! J'aime beaucoup cet endroit, c'est vraiment magnifique. Oui, regardez, Céline est là-bas. Elle a un beau cheval. Ils ont une excellente équipe. Ce n'est pas comme la nôtre, elle a bien changé. Bon, allez, une dernière fois. J-F-R-T-E. Les jolies filles réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Bonjour Céline, on t'envoie un baiser. Tiens, tiens, voilà la fille qui veut être championne. Tu t'es entraînée à faire tomber des barres aujourd'hui? Ce n'est pas drôle! Dis-lui que tu as changé de style, annonce-lui la bonne nouvelle. C'est bien, bravo! Personne ne peut te reprocher d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre. C'est vrai, elle a changé de comportement et elle ne monte plus de la même façon. Elle n'a plus rien à voir avec les autres d'Orsland. Elle nous ressemble maintenant. Tant mieux! Alors, bienvenue au club. En fait, c'est grâce à toi que j'ai fini par me rendre compte qu'il fallait que je change de style pour le concours. Sinon, je ne deviendrai jamais une championne. Alors, si jamais je te bats aujourd'hui, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Avec ce cheval et l'entraînement que tu as reçu, ou je devrais plutôt dire que tu n'as pas reçu, il y a très peu de chances pour que tu me battes. Mais c'est bien, tu es sur la bonne voie. Au moins, tu n'es plus comme tous ces petits vauriens d'Orsland. Ce ne sont pas des vauriens, ce sont tous mes amis. Respire, ce n'est pas le moment de t'énerver. Reste calme, ne gâche pas toute ton énergie. Rosa, ferme les yeux maintenant et dis-nous ce que tu vois. Je vais vous dire ce que je vois. L'ancienne Rosa est de retour et elle a l'intention de retrouver son style et de monter exactement comme avant. Je suis sûre de te battre, Céline, aujourd'hui. Et je suis fière de ne ressembler à aucune d'entre vous. Et en plus, j'ai lu des choses à propos de ton père sur internet. Il n'a pas gagné les Jeux Olympiques, il n'était que remplaçant. Il n'y a même pas participé et il n'a gagné aucune médaille. Mais au moins il y était. Qu'est-ce que ton père a fait d'extraordinaire? Il m'a appris à monter à cheval. Tu es trop nerveuse, tu ne me battras pas. Je suis sûre que tu vas t'effondrer. Tu vas t'effondrer et perdre le concours. Je tiens à vous, vous avez toujours été et vous serez toujours mes meilleurs amis. Je vais vous étonner aujourd'hui. Je vais faire un parcours sans faute et je serai la plus rapide. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Je m'en veux d'avoir été aussi dure et aussi méchante avec vous. Tu n'as pas à nous faire des excuses. Nous sommes tous heureux de te retrouver. Oui, un déjeuner de plus avec Chloé et elle m'aurait forcé à faire les magasins avec elle. Venez, le concours va bientôt commencer. Allez vous mettre en rang, dépêchez-vous. Rosa, il ne reste plus que Céline et toi. Si tu la bats, nous gagnons le concours. Tu peux me faire confiance, Fred. Je ferai tout ce que je peux pour gagner. Et maintenant, voici la concurrente numéro 15, Céline Chenet. Elle a fait un sans faute. En plus, elle a beaucoup de grâce. C'est l'autre équipe qui mène maintenant. Rosa, même si tu fais tomber une barre, tu peux la battre. Il suffit que tu sois plus rapide qu'elle. Sois naturelle, fais comme d'habitude. Panache est prête et moi aussi. Hé, Rosa, il faut que ton père soit fier de toi. Voici notre dernière concurrente de la journée, la concurrente numéro 22, Rosa Rodriguez. Tu as vu comme elle est rapide? Oui, Rosa, vas-y! Le prix pour le concours individuel est attribué à la concurrente numéro 22, Rosa Rodriguez d'Orsland. C'est génial! La vraie Rosa est de retour! Et c'est une très grande championne! Pour Orsland! Tout
débutait bien, qui finit bien, mais maintenant que chacun est redevenu lui-même, on va mourir d'ennui. Mais non, c'est important de rester soi-même. Tout le monde pense que les cochons aiment la boue, alors je me suis dit peut-être que je rate quelque chose. Et je me suis roulée dans la boue quand personne ne me voyait. C'est vrai? Et tu as aimé ça? Je n'ai pas arrêté de me gratter pendant des jours. Maintenant, je n'écouterai plus ce que les gens racontent sur les cochons. Normalement, je devrais dire que c'est une bonne décision, mais comme je te connais un peu, je n'en suis pas si sûre. Carlotta, tant que tu ne changeras pas et que tu diras des méchancetés, on n'aura jamais le temps de s'ennuyer à Horsland. Au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, le plus important dans la vie, c'est de rester soi-même.